une sensation incroyable. J'ai fait beaucoup de stades là cette année en Ligue 1 et franchement c'était la meilleure ambiance que j'ai pu connaître là dans ma carrière de footballeur. Là avec une victoire on part déjà en confiance. Maintenant on a vu que c'était pas facile. On a gagné 2-1 difficilement, il gagnait 1-0. Faudra continuer à travailler cette semaine pour entamer correctement le match. Heureux, beaucoup d'émotions, jouer à la maison c'est magnifique. Gagner c'est encore mieux. Mais on aurait pu gagner différemment, c'est-à-dire rentrer mieux dans le match et puis le conclure rapidement et puis pouvoir profiter encore mieux avec les supporters. Ouais, on savait à quoi s'attendre et pourtant on a pris ce but en contre-attaque, ils ont défendu. On savait que c'était leur force et on n'a pas été assez patient pour marquer le but. C'est compliqué de jouer contre eux, ils ont les contre-attaques. On a parlé à la mi-temps, le coach a atteint des consignes, on a mieux réagi la deuxième mi-temps et voilà, le plus important c'est les 3 points. On n'est jamais en repos. Un match c'est un match. Les autres matchs resteront les matchs pour la qualification de la CAN. Donc on va tous essayer de les prendre du bon bout et de tous les gagner tout simplement. En deuxième mi-temps, on a su avoir une bouffée d'énergie, on a su les chercher haut, les asphyxier, donc ils avaient vraiment plus de jus et à la fin on a fait le travail pour marquer ce but. Il y a une différence parce que l'année dernière, moi vu que j'étais pas avec l'Algérie, ils étaient contre nous, mais j'avais quand même cette sensation de « Ah, il faut que je joue avec l'Algérie » parce que c'est un sentiment exceptionnel, les supporters ils sont incroyables, donc je les remercie parce que déjà pour leur soutien depuis le début. Non, franchement, alhamdoulilah, ouais, ça a été plutôt un bon match. Moi, ce que je retiens personnellement, c'est le collectif. Aujourd'hui, on a gagné. Ça fait plaisir. Tout le monde est content. On repart avec les 3 points. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Je suis extrêmement heureux. Franchement, beaucoup d'émotions. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Aujourd'hui, j'ai été titulaire devant un peuple magnifique, comme je l'ai dit à vos confrères. Avec la victoire au bout, franchement, il n'y a rien de mieux.